Jésus est le Dieu.
Très haut, Dieu est le Dieu.
Mais tu demandes pardon pour tout au nom de Jésus.
Amen. Amen. Les enfants des lois, j'ai viens devant toi pour compassion. Oh Dieu, pardonne. J'ai péché contre toi. Oh, 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 pardon. Je viens devant toi, Seigneur Jésus. Pardon, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, oh Dieu, pardon, oh Jésus, pardon, oh Jésus. Je néglige ton œuvre. Je néglige.
condamner. Oh Dieu de vie, pardon. Je me prosterne devant toi, Seigneur. On est devant la famille, le travail. Mais ça c'est pour quelques années. Pour une vie éternelle, on ne fait rien. On néglige ou pas assez. On néglige trop l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, selon le livre de Psaume 90, verset 8, Seigneur. Mets ta lumière sur nos péchés, Seigneur. Mets ta lumière sur nos péchés, Seigneur. Révèle-les-nous selon Jérémie 33, 3, Seigneur. Révèle les choses cachées en nous. Ce qui souille encore notre robe. Ce qui souille encore notre robe. Ce qui tient encore nos caractères. Qui sont censés être détruits. Car nous formons que un corps en Christ. Notre ancien nous. Avec ces mauvaises choses. Nous l'avons jeté au feu. Mais c'est ce morse qui nous gêne. Pardon Seigneur, pardonne-nous encore d'agir selon la chair. L'humilité, nous manquons d'humilité. Humilie-toi pour le gloire de Jésus-Christ, humilie-toi. Même quand tu es persuadé d'avoir raison. Si tes frères, tes sœurs te disent non, pose-toi la question, remets ça devant la face de Dieu. Demande pardon de te briser sur ce caractère, de te briser sur ces mots, de briser sur ta position. Nous devons tendre à la perfection, devenir parfait. Alors que tous ceux qui nous gênent, qui sont brisés, tous ces caractères, ces habitudes, ces traditions culturelles, et tout ça sont brisées. Nous avons laissé le monde, nous avons laissé notre culture, oh Seigneur, nous avons laissé notre savoir, nous avons mis ça au feu, et c'est Dieu qui nous enseigne maintenant, c'est Dieu qui est là, c'est le Saint-Esprit qui est là maintenant. Ce n'est plus toi, c'est pas toi qui médite, c'est Dieu qui t'enseigne, c'est pas toi qui prie, c'est Dieu qui agit à travers toi. C'est pas toi qui évangélise, c'est Dieu qui évangélise. C'est pas toi qui a redressé le frère à la sœur, c'est Dieu qui l'a redressé à travers toi. Tu n'es rien, c'est Dieu qui est tout et qui est en toi. Laisse-le agir en toi. Chasse ce raisonnement de toi. Ce raisonnement n'est pas de Dieu. Mets-le aux abîmes. Brise-le pendant cette repentance.
brise ce caractère, cette raisonnement, cette repentance. Oh Seigneur Jésus, de compassion, Seigneur Jésus. Si tu te sens touché, ça c'est pour toi. Moi, Seigneur Jésus. Humilie-toi. Là où brise encore davantage. À ma soeur, c'est que ce message est pour toi. Seigneur, je te demande pardon. C'est Christ qui parle. Là où j'ai fait du mal, Seigneur. Seigneur. Ah mon frère, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur. Seigneur Jésus. Pardon. Là où j'ai fait du mal. Sans ma rencontre, Seigneur. Ah, je te demande pardon, Seigneur. De compassion, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur. Pardon. Pardon, Seigneur. Ah, Seigneur. Pardon, Seigneur. Ah, Seigneur. Nous voulons être disciples. Et un disciple fait tout comme son maître. Tu es notre maître. Toi-même, tu es venu. Tu as marché sur cette terre. Toi-même, tu es venu. Tu as commencé par un jeûne de 40 jours avant de prendre tes ministères. Oh Père de mon Dieu, donne-nous cette force, pas comme toi. T'as résisté à la tentation pendant ces 40 jours. Que nous puissions résister aux tentations, Seigneur. Et que sur ta parole, que le diable s'éloigne loin de nous. Oh Seigneur. Seigneur, pardonne-nous de ne pas être des disciples fidèles, mais des disciples partiels. Fortifie-nous pour ce temps. À toi, Seigneur. Pardonne-nous. J'ouvre mon cœur. Alléluia, Jésus, reste.
avec nous, oh Seigneur. Commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à réclamer le sang de Jésus. Le sang qui nettoie, le sang qui lave. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Commence à réclamer le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus. Demande au Seigneur de laver ton cœur. Demande au Seigneur de laver ta vie. Demande au Seigneur Jésus de laver tout ton être. Demande au Seigneur Jésus-Christ de te purifier. Demande au Seigneur Jésus-Christ de laver tout en toi. Afin que tu sois agréable devant lui. Demande-lui de te laver. Demande-lui de te laver de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Demande-lui de te laver, de te purifier. Demande-lui de te laver afin que tu sois pur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, il dit, je viens chercher l'église sans tache ni ride. Demande au Seigneur Jésus-Christ de laver tout ce qui ne glorifie pas. Là où ta robe était tachée, dis au Seigneur Jésus de laver par son sang. Il dit, heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Demande au Seigneur Jésus de te laver. Demande au Seigneur Jésus de te purifier. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Demande au Seigneur Jésus de te laver. Demande au Seigneur de te purifier. Demande au Seigneur de te laver. Que je sois ton héritier, l'héritier du royaume des cieux, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi en air tout entier. Corps, âme, esprit, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Par ton sang. Que ton sang me remplisse. Que ton sang me remplisse. Que ton sang me remplisse. Que ton sang me remplisse, Seigneur. Remplis mon corps. Remplis mon âme par ton sang. Remplis mon esprit par ton sang. Non touché. Que tous les mandats contre mon être soient déchirés par ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Lave-moi par ton sang. Tous ces souillons qui pèsent sur ma vie. Toutes ces proclamations qui pèsent sur ma vie, Seigneur. Sur la vie de mes enfants. Pardonne-les, Seigneur. Lave-les par ton sang, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Que ton sang, Seigneur. Que ton sang, Seigneur. Que ton sang, Seigneur. Seigneur, lave-nous par ton sang. Lave-nous, roi. Lave-nous, souillure. Lave-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous des héritiers, Seigneur Jésus. Que sois sans reproche, sans tâche. Rends-nous éligibles de la renouvelle du sang, Seigneur Jésus. Lave-nous, Seigneur, tous ces péchés. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Lave-nous en prêt, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave nos cœurs, Seigneur Jésus. Comme ton sang, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Lave-nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 On se sent plus léger après, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous allez entrer en prière. Tu vas prendre
Le livre de Psaume. Tu vas prendre le livre de Psaume 129 et tu vas garder de côté le livre de Psaume 121. Amen. Attends, ressens l'esprit. Ressens l'esprit qui est descendu. Ressens-le. Ressens-le. Car une prière, c'est aussi un acte de foi, sachez-le. Car tout ce que tu proclames de ta bouche se passe. Selon le livre de Matthieu 18:18, il a dit, tout ce que tu lis sur terre se rallie dans les cieux. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu proclames ici se produit d'office. Amen. 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 Avant de commencer le psaume, nous allons plonger cette église, cette assemblée, ces murs dans le sang de Jésus. Afin que rien ne puisse venir perturber au nom de la prière. Amen. Donc tu as demandé le sang de Jésus sur les linteaux, sur les murs de cette assemblée. Amen. Amen. Nous sommes en prière. Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de qualité, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous couvrons cette salle dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Que cette salle, Seigneur, soit couvrée par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, couvre cette salle dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Seigneur Jésus qui est Nazareth, couvre cette salle par ton sang, Seigneur Jésus, que ton sang coule, Seigneur Jésus, que ton sang coule, que ton sang coule, Seigneur Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Seigneur, couvre par ton sang, couvre cette salle par ton sang, couvre cette salle par ton sang, Seigneur Jésus qui est Nazareth, Seigneur, couvre cette salle par ton sang, Seigneur Jésus, nous plongeons, Seigneur Jésus, cette église dans ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus qui nous a fait, le sang de Jésus, le sang de Jésus qui nous a fait, nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus, Seigneur Jésus, lave, Seigneur, lave cette salle, Seigneur, par ton sang, lave cette salle par ton sang, lave cette salle par ton sang, lave cette salle par ton sang, Seigneur Jésus, lave cette salle par ton sang, Seigneur Jésus, lave cette salle par ton sang. Lave cette salle par ton sang, Seigneur Jésus. Lave cette salle par ton sang. Lave cette salle par ton sang, Seigneur Jésus. Seigneur, lave, 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 lave cette salle. Par ton sang, 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 Seigneur Jésus qui nous a fait. Par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang, Seigneur Jésus. Seigneur, fais couler ton sang, fais couler ton sang, fais couler ton sang, Seigneur Jésus. Fais couler ton sang, que ton sang coule, Seigneur Jésus. Que ton sang coule, Seigneur Jésus, en celui, en celui, en celui, au nom de Jésus qui nous a. Amen. Amen. Maintenant, nous avons brisé par le sang de Jésus, par le feu de Jésus, tout point de contact avec le monde spirituel du malin. Tout le malin, tous les points de contact qu'il a dans cette salle, dans cette salle, au sens large. Maintenant, nous avons brisé tous les points de contact dans le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tous les points de contact. Tous les points de contact. Dans cette église. Dans cette église. Qui empêche. Qui empêche. Tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Toutes les brebis. Tous les brebis. D'entrer dans cette maison. D'entrer dans cette nous maison. Nous déclarons maintenant tous les points d'accès, tous les points sont brisés maintenant, sont brisés maintenant, sont brisés maintenant, sont brisés maintenant. Pendant que tu parles les mères, le fait descendre maintenant au nom de Jésus, sois brisé maintenant, Jésus, tous les points de contact, Seigneur Jésus, dans cette maison, dans ton église, Seigneur Jésus, qui empêche tes enfants, Seigneur Jésus, qui nous a bénis, Seigneur Jésus, qui nous a. Oh Dieu tout puissant, Seigneur, nous brisons les points de contact. Nous brisons les points de contact, Seigneur Jésus. Nous cassons les points d'accès, Seigneur Jésus. Nous anéantissons maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, Père, descends ton feu. Descends ton feu. Descends ton feu, Seigneur Jésus. Descends ton feu. Descends ton feu, Seigneur Jésus. Relâche ton feu. Relâche ton feu. Relâche ton feu. Libère ton feu, Seigneur Jésus. Seigneur, descends ton feu. Descends ton feu. Descends ton feu. Descends, descends, descends ton feu. Seigneur Jésus, descends. Descends ton feu, Seigneur Jésus. Descends ton feu, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus qui va t'aider. Oh Dieu tout puissant, tout esprit qui empêche tes enfants de venir dans ta maison, aujourd'hui même, sois foudroyé, sois foudroyé, sois foudroyé, sois foudroyé, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu.
Jésus. Descends ton feu. Seigneur, descends ton feu, Jésus. Tout esprit de Jésus qui empêche tes enfants de venir dans cette maison, Jésus. De venir devant ta présence. Seigneur, maintenant relâche. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Seigneur Jésus, qui n'est pas. Qu'il soit foudroyé. 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 Seigneur, pendant que je bats les mains, pendant que je bats les pieds, le feu descend maintenant. Au nom de Jésus, le feu descend. Le feu descend, Seigneur. Il est foudroyé. 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 Seigneur, descend ton feu maintenant. Descend ton feu. Descend ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère, libère. Libère ton feu. Descends maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, descends ton feu. Descends ton feu, Seigneur Jésus. Descends ton feu, Seigneur Jésus. Toutes les points de contact sont brisés au nom de Jésus. Toutes les points de contact qu'ils ont déposés, Seigneur Jésus qui n'a pas, soit brisé au nom de Jésus. Au nom de. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tout l'hiver. Que l'ennemi est venu s'aimer. Que l'ennemi est venu s'aimer. Dans cette église. Dans cette église. Aux alentours de cette église. Je déclare maintenant. Par l'autorité, par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tout l'hiver qui a été déposé, qui a été semé autour de cette église, soit arraché maintenant, 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 au nom de Jésus, toi le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare, je proclame, et je dis, dans le nom de Jésus. La parole de tes serviteurs. Je déclare maintenant. Je déclare sur la base d'Esaïe. Sur la base d'Esaïe. Chapitre 44. Chapitre 44. Verset 26. Chapitre 26. Chapitre 6. Je proclame maintenant. Je proclame maintenant. Que tout l'hiver. Que tout l'hiver. Soit arraché. Soit arraché. Soit arraché. Tu prends feu.
dimanche, c'est comme si tu es venu te recharger pour la semaine. Alléluia. Amen. Après, lorsqu'il s'agit de la prière, il ne faut pas jouer. Amen. Alléluia. Le monde des ténèbres doit trembler lorsque tu déclares. Amen. Le monde des ténèbres doit avoir peur de toi. Amen. Les sorciers de ton village, paternel, maternel, doivent avoir peur de toi. Amen. Lorsqu'ils appellent ton nom, ils disent non, je ne vais même pas arriver là-bas. Alléluia. C'est ce qui doit se passer. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare selon le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu déclare que le ténèbre est aussi un feu dévorant. Donc tu es le feu. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque tu déclares, le feu descend. Lorsque tu parles les mains, le feu descend. Amen. Alléluia. Amen. Faut pas jouer. Avec la prière, faut pas jouer. Parce que eux, regarde, à partir de lundi, ils commencent à faire des programmes. Ils commencent à faire des programmes. Ils commencent à faire des projets. Les projets de mort. Regarde, à la fin de cette année, ils ont déjà programmé. Aujourd'hui, par ta prière, tu vas déprogrammer. Amen. Ce qu'ils ont programmé sur ta famille, sur tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs. Aujourd'hui, par toi, tu vas briser ça. Tu vas déprogrammer cela. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Par l'autorité. Par l'autorité. Que tu as mis en moi. Que tu as mis en moi. Parce que tu m'as dit. Parce que tu m'as dit. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mort. Tout esprit de mort. L'esprit de mort prématuré. De mort prématuré. Qui est lancé. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de ma femme. Je déclare. Je déclare. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. La parole déclare. Oh mort. Tout est guillot de la mort. Qui est dans ma famille. Tout est guillot de la mort. Qui est dans ma vie. Je déclare. Un de la mort. Un de la mort. Sors de ma famille. Sors de moi. Sors de moi. Sors de mon travail. Tout est guillot de la mort, tout est guillot de la mort, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans la mort, tout est guillot de la mort, mais lâche la mort, mais lâche la mort, au nom de Jésus, tout est guillot de la mort, mais lâche la mort, sors de ma mort, tout est guillot de la mort, lâche la mort, lâche la mort, sauter, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, sauter, sauter, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de par l'autorité. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Ta parole déclare. La parole déclare. Former tes projets. Former tes projets. Ils seront anéantis. Donner des ordres. Ils seront sans effet. Je déclare maintenant. Tout projet. Tout projet. Tout projet. Le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Qui a été fait. Compte-moi pour me décourager, pour servir le Seigneur. Seigneur Jésus, tout projet de mort, tout projet de maladie, que tu es lancé, compte ma vie, aujourd'hui même, je brise mes fers, je brise mes fers, je la brise, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Par l'autorité que tu as mis à moi. Par l'autorité que tu as mis à moi. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Tout projet. Maladie. Qui était lancé contre moi. Qui était lancé contre moi. Tout enfoutement. Tout enfoutement. Qui était lancé contre moi. Qui était lancé contre moi. Contre ma famille. Contre mon foyer. Contre mon foyer. Je déclare maintenant. Je déclare. Tout enfoutement. Tout enfoutement. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. L'enchantement, le bélier contre pierre, dis ton nom, l'enchantement, l'enchantement, le bélier contre pierre, l'illumination, l'illumination, le bélier contre pierre, le bélier contre pierre, parce que je suis enfant de Dieu, parce que je suis enfant de Dieu, je déclare maintenant, tout enchantement, tout enchantement, tout
tout sortilège, tout sortilège, j'étais envoyé, j'étais envoyé, contre ma vie, contre ma vie, contre ma destinée, contre ma destinée, contre la destinée de ma famille, contre la destinée de ma famille, contre la destinée de mes enfants, contre la destinée de mes enfants, je déclare maintenant, je déclare maintenant, tout envoûtement, tout envoûtement, 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 tu m'attends maintenant, tu m'attends maintenant, tu attends la voix, tu attends la voix, du lion de la Bible de Judas, du lion de la Bible de Judas. Je pisse tout en foutant. J'ai tout en foutant. Je pisse maintenant. 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 Au nom de Jésus. Toi, t'es disposé. Toi, dis Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tout ce qui a été déposé. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, Seigneur Jésus, fais couler ton sang maintenant. Fais couler ton sang maintenant. Que tout ce qui a été déposé par le monde des ténèbres, par le monde des ténèbres, par mari de nuit, par mari de nuit, par femme de nuit, par femme de nuit, pendant que je dormais, pendant que je dormais, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute nourriture, tu m'en fais manger, tu m'en fais manger. Aujourd'hui, je déclare, toute nourriture. Manger, ils ont fait manger les enfants, les enfants. Je déclare au nom de Jésus, pendant que je bois le sang de Jésus, ça sort de moi, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, coule dans mes entrailles, coule dans mes entrailles, le sang de Jésus, coule dans mes veines, ça coule maintenant. La parole vient déclare tout ce que Jésus-Christ n'a pas planté sera déraciné. J'entends maintenant tout ce que Jésus-Christ n'a pas déraciné. Tout ce que Jésus-Christ n'a pas planté en moi soit déraciné. Soit déraciné. Déracine. Déracine. Je la 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 déracine. Je te racine, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu sens le feu? Alléluia. Est-ce que tu sens le feu? Amen. Sois disposé. Est-ce que tu sens le feu? Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que tout esprit de division. 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 Commence à prendre feu. Commence à prendre feu. Commence à prendre feu. Commence à prendre feu. Dans ton église, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, Seigneur Jésus, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu, libère ton feu, libère ton feu, au nom de Jésus. Sois disposé, ferme les yeux, sois disposé au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, maintenant localise-moi. Maintenant, commence à localiser. Seigneur Jésus, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi. Que tout ce qui n'est pas de toi. Que l'ennemi a déposé en moi. L'ennemi a déposé en qui sorte de moi. Qui sort. Qui sort par l'abaillement. Sortez par l'abaillement. Sortez par le vomi. Sortez de moi maintenant. Au nom de Jésus. Sortez maintenant. Le feu descend maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois disposé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, relâche ton feu maintenant. Relâche. Libère ton feu maintenant. Libère. Libère ton feu maintenant. Libère ton Seigneur, feu. Nettoie ton peuple. Nettoie libère maintenant ton par ton feu, Seigneur Jésus. Libère nettoie ton peuple que nous sommes. Seigneur, nettoie maintenant. Nettoie par ton nettoyer. Sang. Nettoie par ton sang. Nettoie par ton nettoie. Sang. Que ton sang coule, Seigneur Jésus. Que ton sang coule. Nettoie-nous par ton sang. Nettoie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Nettoie. Nettoie-nous, Seigneur Jésus. Nettoie-nous par ton sang. Nettoie-nous par ton sang. Nettoie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Nettoie-nous par ton sang. Nettoie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Que ton sang coule maintenant. Que ton sang coule, Seigneur Jésus. Selon qu'il est écrit. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 6, à partir du verset 25. Seigneur, mais fais couler maintenant. Fais couler maintenant ton eau pure. 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 Afin de nous nettoyer de toutes nos suies. Seigneur, maintenant. Ton eau pure maintenant coule maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi commence à sortir de nous. Sortez par les vêtements. Sortez par les vomis. Sortez maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant.
maintenant, maintenant, toute nourriture, Seigneur Jésus qui n'a pas, qu'on nous a fait manger pendant nos sommeils, maintenant ça sort de nous, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Au nom de Jésus, toute nourriture qui t'ont fait manger pendant que tu dormais, je déclare au nom de Jésus qui n'a pas, que ça sort de toi, ça sort de toi, ça sort de toi, par le feu, par le feu, par le feu, ça sort maintenant, au nom de Jésus qui n'a pas, ça sort de toi, ça sort, ça sort, ça sort, tout ce qu'ils ont déposé pour toi, maintenant, le feu devra rentrer en toi maintenant, le feu devra rentrer maintenant, il s'éteint toi maintenant, il rentre maintenant, il commence à consumer, il commence à consumer, ça sort de toi maintenant, ça te libère maintenant, ça sort, ça sort, ça sort maintenant, il te lâche maintenant, maintenant ça sort, ça remonte, ça sort, ça remonte, ça sort, ça remonte, ça sort, sorte par le feu, 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 maintenant, 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 sortez, 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 sortez maintenant, sortez par le feu, la parole de Dieu déclare que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus qui n'a pas, tout ce qui a été déposé, maintenant qui commence à sortir, qui commence à sortir, toute flèche qui t'ont lancé depuis le monde astral, je commande au nom de Jésus qui sort de toi maintenant. Je déclare au nom de Jésus toute flèche de maladie qui t'ont lancé. Je déclare maintenant que ça sort de toi. 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 Ça sort maintenant par les baillements, par les vomis. Au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Ça sort, ça sort. Ça vraiment, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort. Au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Descends par ton feu. Relâche ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Descends ton feu maintenant. Descends ton feu maintenant. Descends ton feu maintenant. Ta parole déclare. Selon le livre de Proverbes, chapitre 23, à partir de verset 8. Tu dis, nous vomira le morceau que nous avons mangé. Tout le morceau qui t'ont fait manger pendant que tu dormais, aujourd'hui même ça sort de toi, ça sort de toi, ça sort, ça sort, ça te libère maintenant, ça sort, ça sort. Le feu de voir maintenant, il commence à scanner, il commence à scanner, il commence à scanner ton corps maintenant, maintenant. Le feu descend, le feu descend, il nettoie maintenant, il nettoie tes entrailles, il nettoie maintenant, il nettoie tes entrailles. À l'instant, ça commence à sortir, ça sort par les vêtements, ça sort par les vomis. À l'instant, cet esprit de descend par ton feu, descend par ton feu, maintenant, maintenant, relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu, nettoie ton peuple, Seigneur Jésus. Nettoie ton peuple, nettoie ton peuple, nettoie ton peuple. Par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang. Seigneur, maintenant, 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 que ça sort de nous. Tout ce qui n'est pas de toi sort de nous. Maintenant, maintenant, que ça sort, que la colère sort. Seigneur Jésus, maintenant, que l'orgueil sort de nous. Au nom de Jésus, que ça vraiment ça sort. La colère sort, la colère sort, la colère sort. L'hypocrisie sort. Maintenant, maintenant, ça vraiment ça sort. Ça vraiment ça sort, ça vraiment ça sort, ça vraiment ça sort. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, qui est encore en nous, nous déclarons au nom de Jésus qui n'a pas, que ça vraiment ça sort maintenant. Ça remonte, ça sort. Que ça vraiment ça sort maintenant. Ça remonte, ça sort. Que ça vraiment ça sort maintenant. Ça remonte, ça sort. Seigneur, localise ton peuple. Localise. Localise ton peuple maintenant. Localise ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, maintenant, maintenant, libère maintenant par ton feu. Relâche maintenant au nom de Jésus. Relâche maintenant ton feu. Libère maintenant au nom de Jésus. Descends ton feu. Descends ton feu. Descends ton feu. Seigneur, maintenant, depuis le troisième ciel, maintenant, descends ton feu. Relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu. Libère maintenant au nom de Jésus. Délivre. Restaure maintenant au nom de Jésus tes enfants maintenant, maintenant par ton feu au nom de Jésus. Seigneur Jésus qui Nazareth, toi qui nous as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, nous nous sommes chargés. Décharge-nous maintenant au nom de Jésus. Seigneur, décharge-nous à l'instant, décharge-nous à l'instant, décharge-nous au nom de Jésus, décharge-nous de nos fardeaux, décharge-nous maintenant au nom de Jésus. Maintenant le Seigneur te localise pendant que tu es disposé. Le Seigneur Jésus-Christ te localise. Le Seigneur Jésus-Christ te localise. Le Seigneur Jésus-Christ te localise. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, localise ton peuple. Commence à retirer les flèches. 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 Commence à retirer, retire, retire. Seigneur, retire les flèches. Retire, retire, retire. Retire les flèches, Seigneur Jésus qui n'a pas cette. Seigneur, retire les flèches. Tout programme que le monde des ténèbres a fait sur nos vies. Seigneur Jésus, à la fin de cette année, Seigneur, maintenant, aujourd'hui, nous déprogrammons au nom de Jésus qui n'a pas. Seigneur, maintenant, 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 au nom de Jésus, nettoie ton peuple, Seigneur. Nettoie, nettoie ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Nettoie ton peuple, Seigneur Jésus. Que ton feu descend. Que ton feu descend maintenant. Que ton feu descend. Toi qui as dit à Moïse, reste.
l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous nous appuyons sur ta parole. Maintenant, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, commence à nettoyer, Seigneur Jésus. Commence à nettoyer. Je sais que tu es présent, Saint-Esprit. Oui, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Saint-Esprit de Dieu, commence à marcher au milieu de ton peuple. Commence à marcher au milieu de ton peuple. Commence à nettoyer, nettoie, nettoie, nettoie. Commence à scanner ton peuple, Seigneur Jésus. Quand tu viens chercher une église sans tache, ni ride, Seigneur, maintenant, commence à nettoyer. Que tout sort de nous au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi sort maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Ça sort, ça sort. Ça sort par le feu, par le feu. Par le sang, par le feu. Par le sang, par le feu. Par le sang, par le feu. Ça sort maintenant. Au nom de Jésus, maintenant, Seigneur Jésus. Relâche ton feu, libère ton feu. Descends maintenant. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher toute l'ivraie. Commence à arracher, Seigneur Jésus, toute l'hiver que l'ennemi a déposé. Seigneur, commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher, Seigneur Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, même au nom de Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Seigneur, relâche, relâche ton feu. Libère ton feu au nom de Jésus. Le feu puissant, ça descend. Au nom de Jésus. Le Seigneur te localise à l'instant. Il te localise maintenant. Tout sort de toi au nom de Jésus. Maintenant même. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit de Dieu te localise. L'Esprit de vérité, Jésus-Christ de Nazareth, il te localise à l'instant. Il commence à arracher. Il commence à arracher. Il commence à te nettoyer. Il commence à te nettoyer. Il commence à te nettoyer. Il commence à te nettoyer à l'instant, à l'instant, à l'instant. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, nettoie ton peuple. Nettoie, nettoie, nettoie ton peuple. Au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, libère, libère, libère ton peuple. Au nom de Jésus. Relâche maintenant ton feu. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus qui Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Cri de cœur. Jésus. Cri de cœur. Jésus. Cri de cœur. Jésus. Cri de victoire. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. 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 Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Alléluia. Amen. Au Seigneur Jésus. Tu vas danser devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ te va danser ce matin. Voilà pourquoi tu vas te tirer. Tu vas te tirer en disant shalom, shalom à ta soeur. Shalom, shalom à ton frère. Commence à te tirer pour danser pour l'Éternel. Alléluia. Shalom, shalom. 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 Alléluia. Shalom. 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 Shalom, 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 Et il élève. Alléluia. Tu vas danser devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Alléluia. Amen. Le temps de Noé. Alléluia. Le temps de Noé. Il n'y a que 8 personnes qui étaient sauvées. Voilà pourquoi lorsque tu es devant le Seigneur, loue le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
comme si tu es déjà au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il ramasse par terre et il est laid. Il ramasse par terre et il est laid. Il ramasse par terre et il est laid. Je vais te poser.
Tu es ta parole.
Tu es élevé, oh, tu es élevé, oh, tu es élevé, oh, tu es élevé, tu es élevé, oh, tu es élevé, 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 tu es élevé
Amen. Alléluia. Amen. Vous disposer maintenant. Est-ce que vous êtes armé là? Est-ce que vous êtes armé là? Jésus. Mais. Jésus. D'aujourd'hui, c'est l'importance de se rendre à la maison du Seigneur. Amen. Dans quel esprit tu viens à l'église? Comment est-ce qu'il est ton âme quand tu viens à la maison du Seigneur? En joie. Ou tu viens à l'église zélé. Ben, ou par habitude? Tu viens par habitude? Ou parce que peut-être on fait partie d'une assemblée bon, et alors nous venons à l'église. Tu es venu rencontrer une sœur. Tu es venu rencontrer un homme de Dieu, le pasteur, l'évangéliste, le docteur, je ne sais pas moi. Dans quel esprit tu es venu ici? Mes sœurs, mes frères. Non, tu dois être ici dans ce lieu. Amen. Pour faire une rencontre. Alléluia. Une rencontre qui est spéciale. Amen. C'est quelqu'un. C'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ, ton Dieu. Amen. Le Saint des Saints. Le roi des rois. Amen. Le premier et le dernier. C'est ton sauveur. C'est celui qui t'a donné la vie. Comment tu es venu ce matin ici? Tu viens pour qui? Pour moi. Je suis bon, je fais quoi, je prie bien, tu viens pour qui? Jésus. Tu n'es pas ici pour moi,
pour le docteur, pour l'apôtre, pour le pasteur, beaucoup de fidèles encore ont ce raisonnement dans la tête. Il y en a beaucoup, mes frères, croyez-moi, il y en a beaucoup. Si mon frère ne vient plus, moi je ne viens plus. C'est comme si on est ici pour adorer un homme de Dieu. Faites très attention. Hein. Faut faire très très attention si quelqu'un vient. Amen. Encore avec ce sentiment ici dans l'église. Amen. Faites très attention. Amen, amen. C'est ça. Beaucoup de fidèles encore. Ce raisonnement, l'évangéliste ne vient plus, alors l'évangéliste ne vient plus. Sois béni, homme de Dieu. Alors moi, je ne viens plus non plus. Le pasteur ne vient plus. Non, ben, je ne viens plus non plus. Que vont-ils dire de moi? Moi, je te dis. Moi, je te dis. Sincèrement, faites très attention. Amen. Faites très attention. Vous avez encore ces sentiments dans votre cœur. Tu n'es pas ici pour moi, tu n'es pas ici pour rencontrer, tu es ici pour rencontrer Dieu. Quelle place tu l'as mis dans ton cœur? Quelle place il a ton Dieu? Il est après le pasteur, après l'évangéliste, après qui? Après ta femme. Tu l'as mis après ton mari, tes enfants. Non, non. Viens, viens ici adorer celui qui t'a donné la vie. Amen. Il est là. La possibilité. Il te donne encore la possibilité d'aller au ciel. C'est lui que tu dois venir adorer. Celui qui t'a donné la certitude d'aller au ciel. Car sa grâce aujourd'hui est encore disponible. Faites très attention. Faites très attention si quelqu'un a ses sentiments. Si vous avez ce sentiment dans votre cœur, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Sachez que ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui t'envoie ses pensées. Amen. C'est pour t'éloigner de Dieu. Amen. Ou tu penses que prier à la maison, ça suffit. Ou lire la Bible à la maison, c'est tout. De ne pas avoir une communion paternelle. Amen. Non, c'est important de venir à l'église. Amen, 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 amen. Se soutenir les uns les autres. N'abandonne pas l'assemblée. C'est important de se réunir ensemble, partager la parole de Dieu pour se soutenir en prière. Comment nous pouvons grandir spirituellement si chacun de nous s'éloigne de l'église du Seigneur? Ne nous laissons pas avoir par des sentiments qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Bien-aimés, une chose est certaine. Satan ne va pas nous laisser. Ça, vous pouvez être sûr. Satan, il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous regarder tranquillement. Non, 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 non. Il fera de tout pour t'éloigner de Jésus. Pour t'éloigner d'un frère, d'une sœur. Il fera de tout. Et nous ne laissons pas avoir. Rester ferme dans cette foi. Jésus te dit ce matin, moi je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Nous allons prendre un autre passage qui se trouve dans Actes 2, 42-47. Le verset, tu veux dire, monsieur? Acte 2, du 42 au 47. Amen. Amen. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Livre de Acte 2, à partir du verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, ils persévéraient. Dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Beaucoup de prodiges.
et de miracles, par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Amen, amen. C'est bon, pardonne-moi, c'est deux minutes. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils étaient tous réunis. Ils avaient tout en commun. Bien-aimés, nous aussi nous devons persévérer, nous devons chercher les dons de Dieu. Ici, nous voyons qu'il faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Est-ce que ces miracles qu'ils faisaient les apôtres aujourd'hui sont finis? Il n'y en a plus? C'est fini. Non, c'était seulement quand il y avait les apôtres. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les disciples de Dieu. Où le Seigneur, c'est ça, il les a donnés seulement au temps des apôtres. Il y avait les miracles de Dieu. Tout. Non. Non. Non, la parole déclare aussi dans Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il n'a pas changé, ton Dieu. Amen. Encore tous ces miracles, tous ces prodiges aujourd'hui, Amen. Ici, dans cette église, dans ce lieu. Si nous venons ici avec un esprit vraiment à regarder à celui qui est là-haut, là. Amen. Si tu regardes un peu celui qui est là-haut, que tu disposes ton cœur, tu n'as même pas l'idée ce que le Seigneur peut faire dans cette église. Amen. 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 Alléluia. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il peut aujourd'hui changer ton histoire. Vraiment. Je sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quel ton problème aujourd'hui. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu vois que ta foi ne grandit pas. Crois-lui. Et il te guérira. Il te donnera la joie. Si tu es enchaîné, il brisera ses chaînes. Amen. Amen. Si tu as des mauvaises pensées, il va te libérer. Alléluia. Jésus est le même. Encore aujourd'hui, il l'opère. Est-ce que vous avez cette foi ou pas? Amen. J'entends pas. Moi. Amen. Une personne qui l'a fait. Vraiment, n'abandonne pas l'assemblée. Le diable, il tremble quand nous sommes réunis. Il tremble quand nous sommes ensemble. Il n'aime pas quand une assemblée est en joie. Il n'aime pas de voir l'amour, la paix fraternelle. Il tremble. Il tremble. Alléluia. C'est pour ça. Vraiment, j'aimerais vraiment. J'ai pas pour beaucoup. Hein. Amen. Mais j'aimerais bien que vous preniez maintenant 5 minutes encore. Amen. 5 minutes que vous vraiment. Vous devez crier là, Jésus. Cette prière ne va pas commencer jusqu'à quand tu n'es pas connecté avec lui. Alléluia. Amen. Ne va pas commencer. Tu vas te lever. Amen. Tu vas te lever. Amen. Amen. Et tu vas prier. Tu vas
répéter après moi. Amen. Dans cette prière vraiment de cœur et cette parole, vraiment je vous les donne en cadeau afin que le Seigneur puisse vraiment vous les donner. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour toutes les fois. Pour toutes les fois. Que je suis venu. Que je suis venu. Dans ta maison. Dans ta maison. Pas seulement pour toi seul. Pas seulement pour toi seul. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Si mon cœur a préféré. Si mon cœur a préféré. Un homme de Dieu, un frère. Une sœur, pardon Seigneur Jésus. Travaille en moi, Seigneur. Travaille en moi, Seigneur Jésus. Afin que je puisse me réjouir. Afin que je puisse me réjouir. Avec mes frères, avec mes sœurs. Être dans ta maison. Être dans ta maison, Seigneur. Que tout sentiment qui n'est pas de toi. Que tout sentiment qui n'est pas de toi. Disparaisse maintenant. Disparaisse au nom de Jésus. Que toute semence que les esprits démoniaques enflammés en moi soient déracinés au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin, je veux prendre ce matin l'engagement avec toi. L'engagement avec toi. De venir dans ta maison. De venir dans ta maison. Pour toi seul. Pour toi seul. Pour regarder là-haut. Pour regarder là-haut. Au roi des rois. Au roi des rois. Seigneur. Seigneur Jésus. Que mon cœur soit disposé. Remplis-moi de feu de l'esprit, Seigneur Jésus. Afin que les ténèbres tremblent, Seigneur. Afin que les ténèbres tremblent, Seigneur Jésus. Devant toi, Seigneur. Et que mes lèvres proclament ta royauté, Seigneur. Car tu es le Dieu véritable. Car tu es le Dieu véritable, Seigneur. Le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi. Seigneur, fais de moi. Un serviteur. Un serviteur. Une servante. Agréable à tes yeux. Que je sois humble. Rempli d'amour pour mon prochain. Que la semence de l'amour soit arrosée, Seigneur. Dans ton sang précieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Travaille en moi. Vers mes frères. Vers mes sœurs. Afin que je puisse te donner tout notre être à toi seul. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de sagesse. Que le désir de mon cœur soit fixé vers le ciel. Le plaisir de mon cœur soit vers le ciel. Que je puisse marcher selon ta volonté, Seigneur Jésus. Ta main trouvera tous mes ennemis. Ta droite trouvera tous ceux qui me haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître la prospérité de la terre au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Priez au nom de Jésus, vraiment de tout cœur. Jésus. Amen. 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 Jésus. Reste disposé, reste debout. L'homme de Dieu a demandé ce que l'Esprit nous remplisse par sa prière. Il est là. On va continuer sa prière. Tu as demandé, Père. Éternel, roi des rois, le Tout-Puissant.
Adonai, Jésus-Christ, descend en moi en colonne de feu. Descends en moi en colonne de feu. Dispose mon cœur au nom de Jésus. Révèle les dons en moi qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent, qui se révèlent. Les dons se révèlent en toi maintenant. Les dons se révèlent en toi maintenant. Au nom de Jésus. Que les dons de l'Éternel pour la gloire de l'Éternel et non pas de moi grandissent en moi, se révèlent en moi, au nom de Jésus. Père Éternel, aplanis le chemin que tu traces pour moi, ce que tu attends de moi. Fais que je marche dans la voie que tu m'ouvres, que je fasse partie des violents qui entreront dans le royaume des cieux. Allume ton feu en moi. 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 Que ta flamme s'agrandisse. Que ta flamme s'agrandisse. Que ta flamme s'intensifie. Le feu augmente. 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 Disposez-vous, le feu augmente. 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 Descends au milieu de moi, au nom de Jésus, ô Père éternel, saisis ma bouche, saisis mes mains, saisis mes pieds, et remplis-moi ton feu, que je marche selon tes voies. Père, je me revête du casque du salut, afin de ne pas être influencé par le monde, par les esprits démoniaques, par l'esprit de sorcellerie, par toute alliance, proclamation contre moi, au nom de Jésus, je revête en guise de justice ta cuirasse sur moi. Sa justice, Père éternel, descends en moi. Remplis-moi de ta justice. La justice éternelle descend en toi maintenant. La justice éternelle descend en toi. En guise de ça descend au nom de Jésus. Maintenant, sers-toi de la ceinture de la vérité. Que la vérité soit en toi. La vérité de la parole soit en toi. Au nom de Jésus. Que la vérité descende en toi. Que la vérité descende en toi. Que la vérité de Jésus-Christ de Nazareth descende en toi. Tu te révèles tous les pièges, ton chemin. Au nom de Jésus, sers-toi de la ceinture de la vérité. Sur le défenseur. Oh Seigneur, ta vérité sert à mes reins. Ta vérité se sert à mes reins. Nous sommes du cœur et les reins, Seigneur. Je me sers de la ceinture de la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Au nom de Jésus, à mes pieds maintenant, Seigneur, je mets les bottes de l'évangile afin d'être zélé dans ta marche, afin d'être zélé dans la feuille de route que tu m'as donnée, afin d'annoncer la bonne parole aux captifs, aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger,
aux prisonniers, afin d'annoncer ta bonne nouvelle dans les nations, au nom de Jésus. À ta main gauche maintenant, je saisis le bouclier de la foi afin d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin au nom de Jésus. Que toutes les prières sont faites avec foi au nom de Jésus. Que ma foi soit plus grosse qu'un grain de moutarde par la prière. Que tu déplaces, Seigneur, les montagnes au nom de Jésus. Remplis-moi de ta foi, Seigneur. 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 Au nom de Jésus, remplis-moi de ta foi. Que toute incrédulité en moi tombe au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Maintenant, à ta main et à ta bouche. Jésus-Christ, je saisis l'épée de l'Esprit à ma main et à ma bouche, qui est l'Esprit, la puissance de ta parole. Père éternel, par ton épée, dans les prières, que tous les ennemis soient terrassés par ton épée. Par ton épée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta parole, Seigneur, descende en moi, que ta parole, Seigneur, descende en moi, remplis-moi de tes révélations, Seigneur, remplis-moi de tes révélations, Seigneur, remplis-moi de tes révélations, Seigneur, ô Père éternel, selon Jérémie 33. Révèle-moi les choses cachées dans ta parole. Révèle-moi les choses cachées spirituelles, invisibles à l'œil nu. Ô Père éternel, que je marche selon ton esprit et pas selon ma chair. Au nom de Jésus, remplis-moi de ton esprit. Remplis-nous puissant, Seigneur Jésus.
Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Que l'onction du Saint-Esprit descende. Remplis Saint-Esprit de Dieu. Remplis Seigneur Jésus. Remplis par ton feu. Remplis.
rempli par ton feu, 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 rempli par ton feu. Seigneur, descends ton feu maintenant. Relâche ton feu, libère ton feu, Saint-Esprit de Dieu. Libère ton feu maintenant. Libère ton feu maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Que ton feu descende maintenant, Seigneur, remplis, 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 Seigneur Jésus. Remplis maintenant, remplis, remplis. Remplis Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, remplis ton feu, remplis, remplis. Remplis Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, maintenant, 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 maintenant. Seigneur, tu l'as rempli maintenant. Tu l'as rempli puissamment, Seigneur Jésus. Remplis Saint-Esprit de Dieu. Remplis, 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 remplis Saint-Jésus. Remplis, remplis maintenant au nom de Jésus. Remplis au nom de Jésus qui nous a dit Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, maintenant, descends par ton feu. Relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu maintenant. Libère, libère, libère. Libère Saint-Jésus, libère Saint-Esprit de Dieu, libère maintenant, au nom de Jésus qui l'a Seigneur, tu l'as rempli puissamment, au nom de Jésus, les dons maintenant se manifestent puissamment, au nom de Jésus, Seigneur, remplis ton peuple, Seigneur Jésus, remplis ton peuple dans cette sens, Seigneur Jésus. Seigneur, regarde ton peuple qui sont devant toi en ce moment, Seigneur Jésus, remplis maintenant, remplis, remplis ton peuple, remplis Seigneur Jésus, remplis ton peuple, Seigneur Jésus, remplis Saint-Esprit de Dieu, remplis par ton feu. Rempli par ton feu, Seigneur Jésus, rempli par ton feu, Seigneur Jésus, maintenant, maintenant. Seigneur, remplis ton feu, Saint-Esprit de Dieu. Augmente ton feu encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, l'onction qui brise les jougs, l'onction qui casse les jougs, l'onction du Saint-Esprit, descend à nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, maintenant, maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas t'asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui a été béni? Amen. Qui a été béni? Amen. Alléluia. C'est très très important. Dans l'enseignement, l'homme de Dieu a parlé des. Restons fermes. Restons fermes. C'est le plus important. Alléluia. Ne soyons pas ces chrétiens qui écoutent la parole. Après 2 heures, 1 heure ou 30 minutes, l'ennemi vient récupérer ce qui a été semé. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, selon les versets que l'homme de Dieu a donné, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est très très important. Lorsqu'on parle de l'assemblée, on parle d'assemblée des saints. Alléluia. Quand on parle de l'assemblée, on parle d'assemblée des saints. Où la vraie parole a été prêchée. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans une assemblée, que la véritable parole n'est pas prêchée, tu ne peux pas rentrer au ciel. Or, le but de tous les chrétiens, c'est de rentrer au ciel. C'est d'être enlevé le jour de l'enlèvement. Or, si tu es dans l'assemblée qui n'est pas l'assemblée des saints, où ira ton âme? Alléluia. Lorsque nous sortons parler évangéliser, c'est ce que nous disons. Où ira ton âme? Alléluia. Où passeras-tu ton éternité? Là au Seigneur Jésus-Christ. C'est très très important. Nous devons rester dans une assemblée où la sainte doctrine est prêchée. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir l'assemblée où la vérité est prêchée, il n'y a pas beaucoup. Jésus-Christ a déjà dit cela. Il a dit la porte étroite. Il n'y a que peu qui vont rentrer. Donc il faut que on fasse l'effort d'être parmi ceux-là qui vont entrer par la porte étroite. Parce que c'est difficile. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut commencer maintenant à réfléchir. Maintenant, on dit, mais attends, est-ce que l'assemblée où je suis? Voilà pourquoi lorsque tu rentres dans une assemblée, prie le Seigneur, demande l'identité de cette assemblée-là. Parce qu'on ne va pas dans une assemblée comme ça. Demande l'identité de cette assemblée-là. Amen. Alléluia. Parce qu'il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi
vraiment la parole que tu écoutes à chaque moment, faut laisser, ça va grandir en toi, ça va croître en toi. Alléluia. Parce que c'est très très important. Restons fermes. Mettons la main ensemble afin que nous avançons dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Alléluia. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous trouver dans l'amour. Parce que lui-même, il est l'amour. Lui-même, il est la paix. Lui-même, il est la joie. Donc, il veut venir trouver une église sans tache ni ride. Qui vit dans l'amour. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, il dit, moi, je ne vais pas à l'église, ma soeur ne vient pas à l'église. Et le jour de l'enlèvement, le Seigneur a dit, il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même chose. Ça veut dire, en ce moment, les gens commencent à se marier. D'autres commencent à manger. D'autres commencent à faire ses affaires. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, veillez et priez. Parce que la fin de toutes choses est proche. Ce n'est pas le temps où le chrétien doit dormir. Ce n'est pas le temps où tu dois chérir tes péchés. Ce n'est pas le temps où tu dois être en parole avec ta soeur, avec ton frère. C'est le moment où tu dois rechercher comment tu vas être sauvé. Parce que lorsque Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ n'a pas fait des pasteurs. Il n'y a pas apôtre. Il n'y a pas docteur. Non, il n'y a pas ça. C'est ça. Est-ce que tu es dans ma parole? C'est ça. Quand Jésus-Christ va venir, c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, fais violent sur toi-même. L'homme de Dieu aussi a dit ça. Violent sur toi pour que tu puisses rentrer. La marche chrétienne, le jour que tu acceptes Jésus-Christ, c'est le jour-là que tu déclares la guerre avec le monde des ténèbres. Je parle de le vrai Jésus, hein, parce que toute l'assemblée aujourd'hui, on parle de Jésus. Je parle du vrai Jésus-Christ. Pas même dans le catholique, on dit Jésus. Alléluia. Je parle de Jésus-Christ, je parle de la sainte doctrine. L'assemblée qui enseigne la sainte doctrine, 100%, c'est de ça que je parle. L'assemblée qui est dépouillée. Parce que si Jésus-Christ est dépouillé, qui sommes-nous, ses enfants, qui ne veulent pas être dépouillés? Dépouillés de la colère, dépouillés de l'orgueil, dépouillés de tout ce que les femmes mettent sur eux. Rappelez-moi un peu. Les maquillages, les make-up, tout ça. Tu dois être dépouillé. Jésus-Christ veut te voir naturel. Amen. Sans ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, selon le livre de Apocalypse chapitre 21, après le verset 27, il dit, rien d'essuyé n'entrera au ciel. Amen. Mais comment toi tu peux rentrer avec mèche? Comment tu peux rentrer avec déprimanté de peau? Maman. Comment tu peux rentrer avec quoi encore? Les bracelets. Question. Comment tu peux rentrer? Tu ne peux pas rentrer avec ça. Question. Comment peux-tu rentrer si tu ne connais pas ce qui te suit? Comment? Parce que toutes ces choses-là, regardez, à la fin du temps, le Seigneur dit dans sa parole qu'il n'y aura rien qui va rester caché. Tout sera ouvert. Vous allez voir maintenant, même les esprits maintenant sont maintenant pour parler. Toi, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo, toi maintenant qui mets le corps, ça c'est dans nos royaumes. Toi qui mets ça, qui mets mèche, qui mets ça, qui mets fossile, qui mets tout ça là, c'est chez nous, c'est quitté chez nous. Ça veut dire quand le Seigneur parle, quand les enfants de Dieu ne veulent pas écouter, c'est les esprits méchants même qui vont sortir, qui vont venir nous prêcher. Alléluia. Tu dois abandonner, tu dois te séparer, tu dois te détacher des choses de ce monde. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand le Seigneur parle de les choses qui sont dans le monde, le Seigneur parle de la chair, les œuvres de la chair. Selon Galates chapitre 5. Alléluia. Parce que le monde, lorsqu'on parle de monde, lorsque tu renverses, tu vois des morts. Lorsque tu renverses le monde, lorsque tu renverses le mot, tu vois des démons. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, les choses qui sont dans le monde, on ne doit pas aimer. Parce que ça vient du monde des ténèbres. Il faut que nous nous déplacions. Le Seigneur s'est dépouillé. Il faut te dépouiller aussi. Parce que si le Seigneur s'est dépouillé, toi tu veux rentrer, tu vas accueillir ton papa. Ou tu es sale, ou tu es dans la boue. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée.
C'est très très important. Alléluia. Je lis un passage rapidement pour finir. Lorsqu'on prend le livre de Proverbes 18, verset 1, le Seigneur Jésus Christ a dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Vous voyez, lorsque l'homme de Dieu a dit, lorsque tu restes à la maison, tu vas adorer Dieu. Regardez, le Seigneur a dit dans sa parole, selon le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20, il dit là où il y a deux, trois. Ça veut dire, lorsque nous sommes deux, trois, c'est là que nous avons la force. C'est là le monde qui te tremble. Mais quand tu es toute seule, ça veut dire, pourquoi? Tu sais, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire, il t'isole. Il te laisse dans ton coin. Ah, moi, je vais prier. Mais c'est là qu'il va frapper parce que tu es toute seule. Or, avec les gens que le Seigneur t'a mis ensemble, pour que vous élevez la voix, pour combattre le monde des ténèbres, tu t'es détaché. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui se met à l'écart, cherche ce qui lui plaît, lui-même. Ça veut dire qu'il est dans les yeux de la chair. Il n'est pas dans les yeux de l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, regardez, on est comme ici. Les romans ne sont pas venus, d'autres ont voyagé. Alléluia. La moi, petit a voyagé. Alléluia. Lorsqu'on élève la voix ici, regarde les prières de combat qu'on fait à chaque moment. Lorsqu'on élève la voix, le monde des ténèbres tremble. Voilà pourquoi il cherche tout possible pour nous séparer. Alléluia. Le Seigneur t'a pris à quelque part. Le Seigneur t'a pris à quelque part. Le Seigneur t'a retiré à quelque part. Pour que tu puisses être dans l'assemblée des saints. Amen. Pour que tu puisses dans sa prêcherie. Pour que tu te prépares pour son retour. Amen. Mais si tu sors, tu vas à la maison, tu restes à la maison, ou tu vas dans une autre assemblée, où on ne prêche pas la sainte doctrine. Parce que Jésus dit, quand il vient, il dit, est-ce que ma parole, c'est ça? Alléluia. Amen. Vraiment, restons fermes. Amen. Restons fermes, c'est très très important. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne dis pas que mon frère n'est pas venu, moi je ne vais pas. Non. Ton frère ne va pas aller au ciel avec toi. Oui, on sera tout seul. Oui, c'est une place. Merci, homme de Dieu. C'est une place. Alléluia. Ça veut dire Jésus descend à l'instant. La trompette sonne. Et j'ai dit à Jésus, tu n'as pas pris le docteur. Il n'a pas ça. Pour moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Chacun doit travailler sur lui-même. C'est très important. Alléluia. Donc ce que nous faisons dehors, c'est la trompette aussi que nous sonnons. Répentez-vous. Alléluia. C'est très très important. C'est le moment. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le moment. Restons fermes. Ne laisse personne te décourager. Voilà pourquoi lorsque tu es dans la sainte doctrine, regarde ce qui se passe. Tes frères, tes amis te disent, mais tu es dans quelle assemblée? C'est là que tu vas savoir que tu es dans la vérité. Amen. Prenez un verset. Prenez le livre de Timothée. Amen. De Timothée. Chacun n'a qu'à prendre son épée. C'est très très important. On va finir avec ça. N'abandonnons pas notre assemblée. Ouais. De quelle assemblée Jésus-Christ parle? L'assemblée des saints. De Timothée 4 verset 3. Il faut t'enraciner en Jésus-Christ de Nazareth. Enracine-toi. Ne laisse rien te décourager. Ne laisse rien te décourager. Ne laisse personne te décourager sur ta marche. Comme l'homme de Dieu a dit, c'est une place. Au cimetière, c'est une place. Il n'y a pas deux places. Alléluia. Quelqu'un peut lire. 2 Timothée 4 à partir du verset 3. 2 Timothée 4 à partir du verset 3. On commence à partir du verset 1 même. À partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Alléluia. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Le Seigneur dit quoi? Prêche
ta parole insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Avec toute douceur. Voilà pourquoi la parole sort avec douceur. Les gars, comment ça descend en toi avec douceur? Parce que c'est la parole qui nourrit ton âme. Voilà pourquoi ton âme est content. Alléluia. Continue, homme de Dieu. Et en instruisant. En instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps. Voilà, le Seigneur a dit, il viendra un temps. Ce temps-là, nous sommes là-dedans. Alléluia. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ah, regardez. Donc, il y a les gens qui ne vont pas supporter la saine doctrine. Le Seigneur n'est pas des païens. On parle de ceux-là qui connaissent Jésus. Où les hommes ne supporteront pas quoi? La saine doctrine. Oh, lorsqu'on parle de la saine doctrine, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà. Tu vas te marier. Voilà. Tu vas voyager. Tu vas faire ça. Tu vas faire quoi encore? Voilà. Tu vas gagner de l'argent. Maison. Belle voiture. C'est ça dans l'église aujourd'hui, ils ont été prêchés. C'est tout ce qu'ils ont été prêchés dans les églises là, aujourd'hui. Où on crie Jésus. C'est ça. Continue, homme de Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Qui est la vérité? La parole. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Donc ils vont détourner leur oreille de la vérité. Maintenant, ils vont se tourner de quoi? Ils se tourneront vers les fables. Regardez, voilà ce qui a été passé dans toutes les assemblées aujourd'hui. Quand je vois une assemblée où l'homme attend de natter ses cheveux. Jésus regarde comme ça et puis il pleure. On est au moi, l'homme de Dieu. Je voyais un enfant, il dit, mais toi tu es un garçon ou tu es une fille? Il dit, je suis garçon. Il dit, mais pourquoi? Tu as natté tes cheveux. Est-ce que c'est ce peuple-là que Jésus-Christ vient chercher aujourd'hui? Alléluia. Voilà pourquoi vraiment, il faut que nous prions. Prions pour nos frères. C'est nos frères. C'est nos soeurs. Il faut que nous prions pour eux. Alléluia. Parce que ceux-là même qui sont devant, qui doivent prêcher la parole. Ils se sont détournés de la vérité. Ils ont commencé à prêcher les choses périssables au peuple de Dieu. Les choses qui tu vas laisser sur terre. Oh, la gloire éternelle. La gloire qui ne périt jamais. La voiture qui ne périt jamais. L'argent qui ne périt jamais. Ta tête de l'autre côté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Même on te dit, papa, tu vas voyager. Papa, tu as voyagé ou tu n'as pas voyagé? Alléluia. C'est quelle prophétie qui dit tu as voyagé? C'est quelle prophétie qui a dit non, tu n'as pas maison? Non, va travailler, tu vas avoir ta maison. Tu as tout. Tu t'en vas travailler, tu as tout. Alléluia. Vraiment, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps où le chrétien doit se réveiller. Les temps sont finis. Jésus-Christ peut descendre à n'importe moment. N'abandonnons pas notre assemblée. Ne dis pas que tu vas rester à la maison. Non, viens te frotter avec tes frères. Priez ensemble. Pour que le Seigneur Jésus lui-même, il te remplisse puissamment. Pour que lorsque le monde des ténèbres te voit, ils ont peur de toi. Mais ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est qu'ils vont, ils veulent te séparer. Ils veulent t'enlever. Parce qu'ils vont t'enlever au milieu. Là. Et ils peuvent t'attaquer facilement. Parce que tu ne pourras pas. Il y a d'autres, regardez, il y a d'autres qui n'arrivent pas à prier. C'est qu'il a, il avait les frères, les soeurs, qu'il a la force. Alléluia. Vraiment persévérant. C'est très très important. Alléluia. C'est ce que je voulais ajouter un peu sur l'enseignement. Amen. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas faire petit prier. Tu vas dire simplement. Aïe. Aïe.
Alléluia. Oui, vraiment. C'est pas ça, il y avait ça dans ma tête, mais. Excusez-moi. C'est très très important. C'est parce que l'on a dit, j'avais noté ça. Mais tellement c'était fort, comme c'est le Saint-Esprit qui dirige. L'homme de Dieu m'a rappelé un peu. Alléluia. Le Seigneur a dit, dans le verset que l'homme de Dieu a dit, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Lorsqu'on parle d'enseignement des apôtres, on parle de la sainte doctrine. Alléluia. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Regardez. Donc, c'est qu'on en sent que le Seigneur descend les miracles, les prodiges. Alléluia. C'est quand nous sommes ensemble dans l'amour, dans la paix, que le Seigneur se manifeste. Le Seigneur ne descend pas au milieu de ceux-là qui ont l'orgueil. Ou bien une assemblée qui est remplie d'orgueil. Une assemblée qui est remplie de mensonges. Quand il n'y a pas de mensonges, je parle de tout ce que les gens mettent sur eux. Un mensonge de dedans. Parce qu'on parle de dehors et on parle de dedans. Ça veut dire la sanctification de dedans et la sanctification de dehors. Alléluia. L'assemblée qui est remplie de poubelles. Parce que tous ceux que vous voyez qui les femmes mettent sur eux, même l'assemblée où les femmes portent pantalon. La parole dit clair. Alléluia. Là où c'est Jésus-Christ. Donc persévérons. Persévérons. Ne laisse personne. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, médite la parole de Dieu. C'est le plus important. Je t'assure, si vous méditez la parole de Dieu, personne ne peut même pas t'égarer. Personne. Quand tu médites là, je dis, quand un pasteur dit, mais il dit telle chose, va le voir. On dit, mais homme de Dieu, la parole de Dieu a dit que. Voilà, voilà. Quand tu as dit ça, il va comprendre que le Seigneur a commencé à ouvrir ton esprit. Alléluia. C'est ce qui m'est arrivé, j'avais dit ça ici. Quand le Seigneur a ouvert mon esprit sur la parole, je suis allé voir le prophète qui est dans l'église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, je suis la parole qui dit, si tu ne dis pas aux méchants, si tu meurs, je ne sais pas te le demander. Parce que toi, tu as connu ça, tu as vu ça, tu as vu la vérité. Mais si il connaît la vérité, que peut-être il ne pêche pas. Ou soit il ne connaît pas. Mais parle. Et je suis allé parler, il dit, homme de Dieu, le Seigneur veut qu'on pêche la vraie sanctification dans l'église. Pas les choses périssables. La vraie sanctification. Dedans et au dehors. C'est ce que j'ai dit avant de quitter l'église. Alléluia. Parce que mon âme est potent. On n'a pas accepté homme de Dieu. Ce qu'il m'a dit, il a dit, tu vas laisser l'église. Parce qu'il était un bâton. Ça veut dire, c'est les choses de l'église qui les intéressent. Regardez, peuple de Dieu, faisons attention à la fin des temps là où nous sommes. Faisons attention. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quand tu rentres. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu rentres dans l'église, j'ai dit tout à l'heure, je dis. Quand tu viens dans une assemblée, dis au Seigneur, tu veux l'identité. L'identité. Jésus-Christ, il aime ça. Quand tu demandes ça, il aime ça. Il te répond automatiquement. Je veux l'identité de cette église. Oh. Il va te révéler clairement. Parce que le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. C'est le plus important pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment, persévérons. Persévérons. Les moments persévérons. C'est très très important. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur Jésus, Seigneur, je vais m'enraciner en toi. Pendant que tu as assis. Dis au Seigneur, c'est toi qui sors de mon cœur et les reins. Seigneur, je veux que tu entres en moi. Je veux porter ton manteau de feu. Afin de marcher, Seigneur Jésus-Christ, dans la vérité, je vais rester dans ta bergerie, Seigneur Jésus, pour que tu viennes me chercher, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai que toi.
Il n'y a que toi seul, Seigneur Jésus, que j'ai, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Car je vais me raciner en toi. Je vais m'enraciner en toi, Seigneur. Je vais m'enraciner en toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, visite-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, lave ma robe. Là où ma robe encore était tachetée, Seigneur. Lave ma robe, Seigneur. Lave ma robe, Saint-Esprit de Dieu. Lave ma robe, Seigneur Jésus. Lave ma robe, Seigneur. Lave ma robe. Seigneur, lave notre robe, Seigneur. Lave notre robe. Lave notre robe, Seigneur Jésus. Lave notre robe, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu vas préparer ton offrande et ta dîme. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les chants. Seigneur, chaque main qu'on
a mis, Seigneur, qu'on a porté dans ta maison, Seigneur. Bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu mettre à l'Éternel, afin que tous soient rapportés dans ta maison, à l'Éternel. Père l'Éternel, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous Amen. Avons fini. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une nouvelle personne au milieu de nous ce matin. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dieu vous bénit. Bénis, oh, bénis, oh. Dieu vous bénit. Bénis, oh, bénis, oh. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus. De Dieu. Alléluia. Vous allez nous dire qui vous a invité et quel est votre nom. Alléluia. Shalom. Shalom. On dit shalom. Shalom. Je suis frère Didier. Amen. En fait, un jour, je sortais du métro colombien, pardon, à Charles de Gaulle. J'ai vu des frères qui distribuaient les traités. J'ai pris les traités après 3-4 semaines. Du coup, j'ai dit que je vais appeler pour savoir comment je peux me rejoindre ici. Quoi. Amen. Du coup, j'ai appelé, ça ne répondait pas. Ah oui, on était en mission. Ah voilà. Après, j'ai c'était vous, non? Oui, c'était moi. Mais pas seul. C'est pas trop vous m'avez rappelé. Puis j'allais au travail. Après je dis que je passerai. Amen. 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 Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dieu vous bénit. Bénis, oh, bénis, oh. Dieu vous bénit. Amen. Vous êtes bénis aujourd'hui, mais comment vous avez trouvé le culte? Alléluia. Le culte, ça va, ça s'est bien passé, la création. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme vous êtes venus aujourd'hui, est-ce que on va écrire votre nom sur la chaise? On va écrire l'homme de Dieu et de Dieu. Pourquoi pas? Amen. 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 La parole de Dieu dit oui, que oui soit un oui, non, non. Pourquoi pas, c'est pas un oui. Hein. C'est oui ou c'est non? C'est... Pourquoi pas, ça veut dire c'est vague. Ça veut dire, est-ce que nous allons nous voir encore? Nous allons nous voir encore. Oui. Voilà, là, c'est Amen. 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 La parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc à la fin. Donc à la fin, alléluia. On va se voir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc nous allons lever pour faire la prière de fin. Venez, mes enfants. Esther, André, priez de faire. 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 Priez de Seigneur Jésus, merci encore parce que tu étais au milieu de nous. Tu as commencé avec nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tu vas achever encore avec nous, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit que tu as déversé au milieu de nous, Seigneur Jésus. Qui va accompagner chacun, Seigneur Jésus, dans son demeure, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis merci pour ton amour dans la vie de chacun, pour ta fidélité, pour tes bienfaits, Seigneur Jésus, pour ta parole que nous avons écoutée aujourd'hui, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole, Seigneur Jésus, tombe dans les bonnes terres et qu'il produit les bons fruits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, oui, les charges que tu nous as encore, Seigneur, retirez, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, que ça ne vienne plus au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, toi qui nous as libérés, toi qui nous as déchargés, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, toi qui nous as guéris, Seigneur, toi qui nous as visités, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ne permets pas à l'ennemi, Seigneur Jésus, de venir encore nous visiter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, que ton sang maintenant couvre chacun de nous au nom de Jésus. Que ton sang couvre notre maison au nom de Jésus. Afin d'interdire tout esprit de monde de ténèbres, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que ton sang coule maintenant dans notre maison. Que ton sang nous accompagne au nom de Jésus. Tout véhicule, Seigneur, toute voiture que nous allons prendre, que ce soit métro ou bus, Seigneur Jésus, couvre-nous par ton sang. Nous les plongeons dans ton sang au nom de Jésus. Seigneur Jésus, même notre travail, Seigneur Jésus, nous les couvrons par ton sang. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, que ta lumière, Seigneur Jésus, qui t'a déversé sur nous, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, que cette lumière, maintenant, luise maintenant, même au travail, même au milieu de nos frères, de nos soeurs, même dans notre famille, au nom de Jésus, afin que cette lumière, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, lui, s'éclate maintenant dans nos familles, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, mon fils. Shalom, grand-mère. Shalom, mon fils. Shalom, mon Dieu.